Salut Sabarov, bienvenue pour le 14e épisode de Resident Evil 4. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence sans attendre. Oh tiens, j'ai pas vu ça la dernière fois. Il me semble que je l'avais pas vu. Parfait, ah bah nickel, on commence bien l'épisode. Alors, voyons où on en est. Où on en est au niveau de l'armement, c'est pas terrible. Comme vous pouvez le constater. Il reste pas grand chose. Ah tiens, non, je crois que j'avais essayé la dernière fois, mais je ne crois pas qu'on puisse augmenter la contenance du fusil à lunettes. On va essayer tout de suite quand même. Alors, optimiser. Fusil semi-auto. Ah bah si. Ah bah voilà. Voilà, ça c'est fait. Ok. Est-ce qu'on peut faire des choses ici? Ouais, non mais j'avais dit, ouais, je garde 30 000 au cas où j'aurai besoin d'un nouveau lance-roquette. Allez, on continue l'aventure. Toujours, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mémo de Louis, d'accord. Le premier gouverneur du château a enterré les Plagas dans les profondeurs de la forteresse pour cacher leur existence. Mais quand Salazar a relâché les Plagas, qui aurait cru qu'il leur redonnerait la vie? Quand Salazar les a trouvés, ce n'était que des restes momifiés. Tout le monde savait que les organismes parasites ne pouvaient pas survivre sans un hôte. Mais quand Salazar et ses hommes ont déterré les restes, on aurait dit que les Plagas attendaient d'être trouvés pour revenir à la vie. Plusieurs années plus tard, des mystérieuses convulsions ont commencé à affecter les habitants du village ayant participé aux fouilles. Puis, du jour au lendemain, ces habitants se sont transformés en sauvages violents. On a appris plus tard que ces réactions étaient dues aux Plagas. Ils étaient momifiés, mais avaient survécu toutes ces années dans un état latent à un niveau cellulaire, sous forme d'entités ressemblant à des spores. Lors des fouilles, les villageois ont inhalé des spores qui ont été réactivés dans leur corps. C'est ainsi que les Plagas sont revenus à la vie. Au moment où j'écris ces lignes, on poursuit les fouilles pour trouver des Plagas. Dieu sait combien de bébés Plagas ont été ressuscités, et ne parlons pas de la quantité incroyable de Ganados qui ont vu le jour. Il faut absolument faire cesser ce désastre. Si personne n'intervient, la secte va faire de nombreuses victimes dans le monde entier. Ouais. Alors, moi je trouve qu'ils s'y sont très très mal pris, les Illuminados. C'est pas la fille du président qu'il fallait prendre en otage. Il aurait mieux valu infecter tous les gens qui sont par exemple dominants dans le monde économique. Là, ok, d'accord, là ils auraient pu dominer le monde d'une manière tellement plus simple. Mais bon, hein. Alors, donc là on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah déjà il y a du monde, très bien. Bon alors, j'ai bien fait de prendre le fusil à lunettes. Tac. Hop, lui. Et lui. Voilà. Ah bah tiens, encore une. Voilà. J'espère qu'ils vont me filer quelques cartouches. Ok, bon ça c'est bien, bleu velours. Bon, on prend. On prend. C'est pas ce qu'on attendait, mais on prend quand même. Allez. Très bien. Ensuite, là, pourquoi ça bouge comme ça? Bizarre. Alors tiens, est-ce qu'on peut tirer dedans? Non. Il y a du monde en tout cas sur la zone, ça c'est certain. D'accord. Bah venez les mecs, venez. Je pense qu'il va arriver par ici. Où est-ce qu'ils essayent de monter? Bah non alors, bah alors. Ah oui. Ah
tête et j'arrive à lui tirer entre les jambes moi. Allez, retombe. Retombe. Voilà. Voilà, au revoir. Lui. Voilà. Lui là-bas. Hop. On tire, on va se les faire au fusil lunettes. Hop là, alors. En plus, c'est des jumeaux. Ah bah si, il y en a encore un qui arrive là. Ok, il y a toujours lui. Voilà. Tac. On reprend Punisher. Où est-ce qu'il est le mec? Ah, il y en a ici. Alors c'est embêtant parce que là je l'ai fait en haut par sécurité. Mais du coup j'aurais pas les... Ah merde, je l'ai déçu en plus. Le problème c'est que j'aurais pas les... Bah les bonus quoi. Bon allez, on descend. Je pense qu'on en a pas fini. Hein. Je pense qu'il y a encore d'autres mecs qui traînent quelque part. Alors, on va quand même faire le tour de la zone, voir si on peut récupérer des. Ah oui, bah voilà l'enfoiré. Hop. Voilà, exactement ce que je voulais faire, je vous jure que c'est vrai. Alors, comme il a, chaque fois qu'il allumait sa dynamite, il s'était au niveau de son visage, je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais pouvoir tirer dedans en même temps que je tirais dans la tête. Ça. Ok, alors, on fait un peu le tour, on monte, est-ce qu'on voit ce qu'on nous donne là-haut? Ah bah tiens, encore des mines là derrière, pas de câble. Ah non, c'est des... c'est des lingots. Mais je prends. Ici on nous laisse rien du tout. Je ne vous remercie pas les mecs. Ensuite, par là c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. On va aller voir de ce côté là. Ah tiens, prendre. Ok. Et par ici, examiner. Ce rocher bloque le passage. Alors j'ai le lance-roquette, je pourrais le descendre au lance-roquette. Actionner. Ok. Parfait. Évidemment. Évidemment. Bah du coup, on remonte. On va se mettre en sécurité. Voilà, on va faire un truc, c'est que je vais... Voilà, je vais... Ah bah non, le Striker 13, c'est bon. Je pensais que j'étais à 0 niveau Striker. Donc c'est le Striker, donc c'est bon. Ensuite, où est-ce qu'ils sont les gars? Il y en a un là. Bon allez. Arrête de bouger comme ça toi. C'est pas grave, on va t'attendre ici, ça va être aussi simple. Effectivement, t'as raison, viens par là, pépère. Ensuite. Un seul? Bon, c'est bizarre. Allez, reviens. Oh bah ouais, un seul. Bon, ok. D'accord. Donc, si je réactionne ici, ça va donner quelque chose ou pas? Je pense pas. Hein. Actionner le levier, oui.
Il n'y a plus de courant, d'accord, donc ils m'ont coupé le courant quelque part par ici. Ah bah là-haut sûrement. Non mais les mecs, vous avez que ça à faire, hein. Vous êtes vraiment des gamins quoi. Alors, hop. Bon, jusqu'au générateur. On rallume. Est-ce que ça va nous faire ressortir du monde ou pas? Il semblerait que non. Parfait. Donc du coup... Oh si, la vache. Ah. Oh. Très bien, bah viens toi. Là par contre, il va être bien reçu, je te le dis. Il est par là, il est par là. Il est ici, allez viens. Non, c'est pas celui que je voulais. Zut. Le striker, voilà. Ils sont où les autres? Ah oui, d'accord, j'ai bien fait de m'éloigner un petit peu. Alors, par contre, on va leur envoyer une grenade. On va se débarrasser d'eux comme ça. Ils sont en plus, ils sont bien groupés là. Hop. Voilà. Normalement, on est pas mal. Hop. On va pas gaspiller toutes nos munes. Voilà. Parfait. Bon, ça va, ça se passe bien pour l'instant. Dans les mines, de toute façon, ici, c'est pas l'endroit le plus compliqué. Il y a tellement pire, vous allez voir. Enfin, je sais pas si on verra ça aujourd'hui. Parce que c'est encore un... C'est encore un morceau qui est assez costaud quand même, hein, les mines. Il y a encore bien de quoi faire. Allez, on actionne, pardon. C'est bon ce coup-ci. Si à chaque fois que je fais une manip, il m'envoie du monde, j'ai pas fini. Hein. Ok, donc c'est par ici qu'il faut aller. On va récupérer la dynamite qui est dans le chariot. Voilà. On va la poser contre le rocher. Tac. Alors on se barre évidemment. Parfait. Et on récupère voilà, un bonus que j'avais vu là. Ah, une grenade, c'est cool. Et on s'occupe des balles de magnum. Très bien. Alors ensuite, regardons un petit peu. Ouais. Bon, c'est ce qu'on va faire, vu qu'on n'est pas très loin encore. Je vais faire un saut chez le marchand, je me débarrasse de ce que j'ai en stock, qui ne me sert pas. Dans la mesure du possible, j'améliore, je pense, le striker. Je vous dirai ça après. Hein. Ok, je retrouve ensuite. Allez, à tout de suite. Bon bah écoutez, j'ai pas pu améliorer mon striker, tant pis. Hein, on me proposait d'améliorer que la contenance et puis je ne sais plus quoi d'ailleurs. La vitesse de rechargement, je crois des trucs comme ça, mais pas la puissance. Donc autant vous dire que pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Vous allez comprendre pourquoi je voulais aller tout de suite d'ailleurs, hein, dans 30 secondes, c'est ça. Voilà. Voilà pourquoi je voulais améliorer mon striker. Vous comprenez maintenant. Hein. Donc autant vous dire que... Alors on va faire le tour des lieux, prendre ce qu'il faut au niveau... Allez, prends ça. Voilà, voilà, il m'a loupé, c'est bon, heureusement. Il m'a loupé. Alors, ce qu'on va faire... Parce que je crois que ici, on peut faire ça, je sais pas si ça va. Ça va suffire. Oui, c'est bon. Allez, tiens. Ah merde. Ah, il a fonctionné au bon moment, punaise. Ah, je suis deg. Voilà. On va remonter. Alors là, franchement, c'est naze. Hein. C'est naze parce que j'étais bien au bon endroit au bon moment. Alors. Vite, on saute. Ah non, bah je peux pas. Faut tout refermer avant de voir que je devrais pouvoir. Voilà. Me débarrasser d'un des deux. Voilà, hop.
arrivent. J'attends qu'ils arrivent par ici, les mecs. Allez, voilà, hop. Regarde, ça deux fois. Hop là. Allez, là, on actionne. Normalement, c'est bon. Allez, hop. Voilà. Il y en a un qui est mort. C'est bon. Hop. Donc, on va se soigner, par contre, maintenant. Voilà. On prend ça. Et puis, ouais, la TMP, ça marche bien, TMP. Hop là, on se barre. Hop là. Est-ce qu'on peut monter? Ouais, ouais, on monte. Allez, grimpe, 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 grimpe. Ça, c'est bon. Comme ça, on prend un peu d'avance. Donc, on pourra pas, je vous le dis d'avance. On pourra pas, voilà, ça se referme, mais c'est ça, l'essentiel c'est d'avoir un peu d'avance, voilà, pour se le faire lui. Ah là, là c'est con. Alors je crois qu'il va essayer de nous sauter, de nous foncer dessus. Voilà, hop. Oh là, merde, j'ai tenté le coup, j'ai tenté parce que je pensais, comment dire, tant pis, on va récupérer la... Ah, c'est bon, je la tape. Je pensais avoir le temps de lui en mettre 3-4 et que ça déclencherait le... Vous savez, la sortie du parasite. Alors, hop là. Et a priori, il est beaucoup plus costaud celui-là. Hein. Il semblerait qu'il soit quand même vachement plus costaud. Hop là. Ah, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Hop, montez. Okay, allez, allez. Ah non, j'ai pas le temps, merde. Oh, fais chier. Ah, la misère. Alors là, s'il me tape encore une fois, je suis mort. Oh non, je suis dégoûté. Oh, vous savez comment pas s'embêter encore une fois. Ah, puisque je l'ai, autant l'utiliser. Voilà. Voilà, on s'embête pas la vie, c'est bon. De toute façon, il nous rapporte de l'argent. Donc, voilà. Autant pas s'enquiquiner. Du coup, je finis de faire un tour de la zone. Normalement, j'ai rien oublié. Mais bon, voilà. J'aurais dû faire ça dès le début. Ça m'aurait évité de perdre deux soins quand même. Voilà. Ici, a priori, non, c'est bon. Là, j'ai rien oublié non plus. Alors voilà pourquoi je voulais améliorer Striker. Parce que vous avez vu, même la TMP, là, c'était juste un. Par rapport au premier qu'on avait affronté, cela était quand même un niveau au-dessus. Hein. Donc, nous, on repart par où ? Au fait. Non, c'est derrière nous quand on part. Voilà. Donc c'est... Oui, voilà, c'est par ici. On dit d'ailleurs, je suis en train de voir un truc, on n'a plus rien avec nous. Enfin, voilà, hop là. Ici. Des barriques. On casse. Ok. Oh non. Oh. Bon, de toute façon on va faire les affronter, donc allons-y. Hein. Hop, on va voir si on peut se les faire, si je peux me faire celui-là au fusil vide par exemple. Voilà. Voilà. Lui, on va se le faire. Voilà. C'est bien. Alors, c'est maintenant qu'il me donne. Ah, je vous jure. C'est maintenant qu'il me donne des munitions de fusée à lunettes. Alors que là, maintenant, il me faut de la TMP. Ah, des fois, le jeu n'est pas cool. Hein.
Voilà. Vite. Ok, donc. Bon, je regarde pas le. Comment dire, je regarde pas le ce qu'il y a marqué, je sais ce qu'il y a à faire. Voilà, viens ici. Alors oui, le problème il est là aussi, c'est la visée. Hein, pour... Alors, déjà ces monstres-là, ils sont casse-pieds. Hein. Ils sont casse-pieds à faire. Alors le striker a beau être assez efficace. Mais il est mort ou pas? C'est bon. On repousse. Ah, il y en a deux derrière, voilà, deux là. Hop là, allez. On avance. Et je suis mal. Ok, alors en plus je vais être à moitié empoisonné là. Moi j'en prends qu'un seul. Ok, là. Ça me sert pas, ils sont bien gentils là, mais c'est n'importe quoi. Hop, il faut aller je crois à droite. Voilà, c'est ça. Hop, ici à droite. Et je crois qu'il y a un. Voilà, il faut aller là-dedans. Actionner. Et ici. Voilà. Ah non, pas encore. Je fais ça parce que je sais qu'il loot, malgré tout, il loot, normalement il loot des munes, donc j'en profite, mais... Voilà. On appuie dessus. Saloperie, saloperie. Voilà, là, puis alors je fais n'importe quoi. Voilà, très bien. Il m'a refait des munes, c'est très bien. Voilà. Alors tu meurs. Hein. Voilà. Voilà. Oh, il y en a encore là. Hop là. Ok, allez, on continue, on court. Voilà. Là, on prend ça. Parfait. On fait ça, on prend le temps de recharger, très bien. Ensuite, on monte. Il faut aller par là-bas, c'est ça. Ah, les plus chances, c'est ceux-là quand même, hein, qui arrivent en volant. Par quoi ils sont groupés comme ça, ça va. Ils sont à quoi ils sont sympas comme ça. Là encore. Là encore, ça va. Je croise les doigts hein, parce que pour que ça dure. Hop là. Et là on va se le prendre en pleine tronche. Et voilà. Hop. On prend la TMP puisque j'ai récupéré des munes. De toute façon je crois que j'ai plus rien avec la. Ah si c'est bon. Fusil à pompe. On fait le plein même si j'ai pas grand chose. Ok. Je fais le plein tout de suite, hein, ça paraît un peu bizarre, mais c'est au cas où, c'est juste au cas où je tombe en panne avec la TMP, ça me permet de... Non, c'est bon. C'est au cas où, ça me permet de... On appuie dessus, voilà. Et je ne sais pas s'il reste encore des ennemis, de toute façon on va les entendre.
Voilà, donc l'énigme était simple en soi. Hein. Deux interrupteurs qui ouvrent la porte, voilà. Et donc, bah oui, évidemment. Donc du coup, je me soigne un petit coup quand même, par précaution. Ah, vous voyez, j'en étais sûr que j'arrivais à la fin. Bon. Voilà, donc là je suis à vide, pareil. On va vérifier. On va finir. Ça c'est bon. Hop. Alors c'est bien, il file un tas de diamants là. Mais, enfin, un tas de bijoux, mais. Mais bon. Je préférais qu'il loot directement des munitions de fusil à pompe. Quoi? Bon, ouais, bof. Allez, on se dépêche. On va par là. L'autre, il nous attend. Vous avez vu, hein? Il nous attend, des enfoirés. Hop là. Voilà, hop. Il me reste quoi? Ah si, il me reste un peu de TMP. Tiens, allez, hop. Ah non, c'est bon, j'ai pas eu besoin. Tu as quelque chose ou pas, toi? Bien. Pas bien, ouais. Et là, encore pareil. Bon. Ok, bah je crois qu'on a eu... Ah non, tiens. Une herbe rouge, parfait. Allez, on continue. Donc du coup, ici, appuyez dessus. Oui. Et maintenant, un piège. Enfin, un piège. Un passage un peu casse-pied. Bon, c'est pas grave, de mémoire, la sauvegarde n'est pas très punitive. Si jamais je me plante, je reprendrai au début du truc, du couloir. Donc c'est pas très grave encore. Ok, allez. Hop là, voilà. On se pose ici. Là au bord. Voilà, saute. Voilà, j'ai chaud. Oh, oh, oh. Ouais, non, je sais pas. Je vais essayer, mais je crois pas que ça passe. Allez, passe, cours. Non. C'est ça, ça passait pas. Il faut que j'appuie, j'ai un interrupteur sur lequel il faut que j'appuie. Voilà. Le levier, on le fait, on l'utilise. Voilà, au milieu, ça craint pas. Voilà. Et je crois que c'est bon, on a passé. Voilà, c'est ça. On a passé l'endroit, impeccable. Je vais vérifier sur le plan s'il n'y a pas un petit trésor qui traîne, qu'on aurait oublié. J'espère que non, parce que là, c'est galère. Il y en a un juste ici, d'accord. Je pense savoir où il est. Pour le reste, c'est bon. Alors, il doit être par là, non? Examiner. Non! Ah! C'est pas très grave, on peut redescendre. Allez. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors voilà, reprendre. Ah bah voilà, l'insigne royal. Là donc je crois que c'est ça qui va sur le... Qui va sur le... La couronne. Je suis pas sûr, hein. Non. Voilà. Combiné. Et hop là, trésor. Examiné. Eh, il en manque un. Il en manque un. Sinon, là, le violet. Est-ce qu'on peut le combiner avec soit... Non, là, non.
Voilà, donc on a une lampe qui est complète. Très bien. Ok, alors ensuite, donc du coup, hop, ah bon, on a un marchand ici. Ce qui serait cool, c'est qu'ils nous vendent. Oh, tiens, une petite note à prendre. Lettre d'Ada, d'accord. Une fois qu'un œuf plaga a éclos, il est presque impossible de le retirer du corps. Avant ce stade, les médicaments peuvent faire effet. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte, mais l'opération est très délicate. Cette intervention risque fort d'entraîner de la mort du sujet. Je pense que l'œuf est injecté dans la fille. Avant vous, 16 heures sont comptées, préparez-vous au pire. Eh ben, s'il faut, on l'abattra et puis c'est tout. Alors, le marchand en premier. Welcome. Qu'est-ce que tu proposes? Got some rare things on sale. Ah bah tiens, oui, je sais déjà ce que je vais acheter. What are you buying? Je vais acheter un... Encore. Allons, roquette. Ensuite, on peut optimiser. Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Le Punisher en puissance de feu, très bien. Tant pis, je le fais. Thank you. Allez. De toute façon, j'ai ce qu'il faut encore en économie pour éventuellement, comment dire, acheter un lance-roquette au besoin. Ouais, je la joue safe, un peu trop peut-être, hein, mais bon. C'est aussi pour les besoins de la vidéo, quoi. J'ai pas envie de recommencer 50 fois une phase. Ok, et ça m'évite moi aussi pas mal de montage. Ça m'évite de vous... parce que autrement, pour éviter que je recommence plusieurs fois une séquence, même à regarder, ça peut être chiant, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Alors. La tour de Pise, d'accord. Ok. Donc du coup, c'est quand même mieux si je fais quelques petits montages, hein, une petite coupure quand je dois recommencer, quoi. Ça rend la vidéo, je pense, plus agréable. Alors, ici, nous avons quelques loustiques qui traînent. Alors, attendez, est-ce qu'il faut qu'on se mette en bonne position pour les voir? Tiens, voilà, ici, déjà. Alors, on va se les faire directement. Ici, comme ça. Lui, bouge pas trop. Oh, mais non, meurs. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un sonné? Voilà. Ah, merde, merde, merde. Quel con. Quoi, Roxane? On aurait dit qu'il disait ça. Roxane. Peut-être le nom de sa femme. Hein. Non, mais je rigole, mais ça se trouve, c'est... Elle va pleurer, sa femme, hein, sans déconner. La pauvre. Alors, lui... Voilà. Ouais. Bah, bon, quoi. Voilà. 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 Eh, hey, les deux en même temps, pas mal, hein. Il est quand même sympa, hein, ce fusil, lui, ce fusil à lunettes, là. C'est ça qui permet de tirer deux mecs à la fois, hein. C'est quand même pratique. Alors, on va d'abord récupérer vite fait ce que les mecs ont laissé. Voilà. Oh, la TMP, c'est bon, ça. Merci, les gars. Bon, c'est tout à l'heure que j'en aurais eu besoin, mais bon. On va pas se plaindre, on en a quand même. Allez. Hop, ici, il n'y a rien à récupérer là-dedans, non, dans ce là, non. Ici. Là-dessus, tiens. Ouais, voilà. Hop. Tiens, regardez là, hop. Petit trésor, parfait. Là. Aussi, bah attendez, je crois bien que j'ai zappé quelque chose à l'entrée, non? Ok, alors ici, là, rien, c'est bon. Là par là. On fait le tour des lieux, on vérifie, personne. Il semblerait que non. Est-ce qu'on peut monter là? Ouais. Ah tiens, il y a quelque chose ici. Ah puis là, regardez. Un petit trésor, parfait. Ici, non rien, d'accord. On monte voir l'étage là. Ah bah, je passe devant. Ok. Hop,
Et là, ici, il doit y avoir moyen de passer en face aussi. Alors, hop, on y retourne. Des fois que il y a quelque chose là-haut sur cette plateforme. Voilà, ici. Alors, est-ce qu'il nous laisse... Oh non, rien. Ok, bon. Alors, le feu de camp autour. Non, ma cache. Ici, examiné. C'est verrouillé. Un message dit offre... Ah, il dit quoi le message? Offre le sacrifice au lion. Bon, ok. Donc il faut trouver un objet qui va être en rapport avec le lion. Enfin, je suppose. Voilà, ici rien. Là non plus. Sinon, ah bah tiens là, hop. Parfait, une petite grenade, ça c'est bien. Là, que dalle. Hop. Ici on va se méfier. Normalement il n'y a pas de serpent, mais bon. Oh non, des trésors, c'est bien. Et là, je suppose que ça va être pour ouvrir ce passage ici. Ok, alors, avant d'y aller, on fait le point sur les armes, ok, et on reprend le Punisher. Allez, on ouvre le passage. Très bien, on descend. Est-ce qu'on peut lire quelque chose ici? Examinez. Un message dit « Devant vous se dresse l'offrande au lion. » Bon, a priori, on est sur la bonne route. D'accord. Allez. Sinon, au niveau des petits trésors, là dans le couloir, dans le... D'accord, il y en a. Non, c'est pas là. Ok. Ah oui, d'accord. Non, je sais où il est, d'accord. Alors, vous avez vu, il y a un mec au milieu. On va essayer de se le faire tout de suite comme ça. Hop. Ah non, il y en a même plusieurs. On fait celui-là, tiens, le plus près. Voilà, lui. Ensuite, lui. Ah, merde, où est-ce ? Voilà. Lui là-bas. Oh, je t'ai pas vu toi. Hop. Alors. Oh la vache. Ah, j'ai pas eu le temps de tirer dans les jambes, merde. Tiens, pour la peine, je te file le couteau toi. Ça t'apprendra. Ah. Voilà. Vous remarquerez que lui il marche dans les pièges et ça lui fait rien du tout. Ensuite, là-bas, on a, je crois, un gars, mais je sais pas si je vais pouvoir l'avoir d'ici. Le gars avec sa tronçonneuse, il est par là. Parce que je crois qu'il y a un petit bug, voilà. Mais il est là. Ah merde, faut que je m'avance un peu. En tout cas, elle a de beaux yeux bleus. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Allez, lève la tête, montre-toi. J'aime bien ce qu'il est. Il est bugué, je sais pas, parce que possible qu'il puisse pas prendre l'échelle avec sa tronçonneuse finalement. Peut-être il a peur de se blesser le mec, hein. Il est peut-être prudent malgré tout. Hein. Bon alors, toujours pas un. Ah, pourtant je tire en pleine tête à chaque fois. Hein. Finalement, hein. Donc pour la prochaine fois, quand on voit le marchand, améliorer les dégâts du fusil à lunettes.
Alors. Voilà. Bon, très bien. Attendez, il y en a qui n'a pas réagi là-bas. J'ai failli y aller sans le voir. Alors lui là, il a rien vu du tout. Lui. Ouais, il est tout seul, hein, il bouge pas. On va essayer de, voilà, de pas louper quand même. Oh, voilà. Bon, par contre, il me reste plus que deux munitions. C'est, ça fait pas lourd. Ouais. Donc on va passer. On va faire le tour parce que, oups là. Parce qu'il y a peut-être des choses à récupérer quand même dans la zone. Donc on va essayer de pas se foutre les pattes dans les pièges. Ce qui serait bête vu que là pour l'instant on n'a subi aucun dégât. Alors le trésor, il y en a un qui est par là-bas. Je crois, c'est ça, ouais, il me semble. Hop. Parce que de toute façon, les mecs, ils ont rien filé. Hein. Non, donc. Est-ce que je suis un peu trop loin? Évidemment. Voilà, et encore un, je crois. Non, il n'y a pas encore un qui traîne? Voilà. Ah si, il y a un petit loot là-bas. On va aller le chercher avant qu'il disparaisse. Parfait. Et puis là, si je dis pas de bêtises. Bah alors. Tiens. Ah bah vous voyez dans la version... Ah, bâton royal, ça c'est cool. Dans la version... tiens, c'est un trésor, je sais pas si on peut le compléter. Enfin, il me semble que c'est un trésor. Hein. Voilà, hop, non, déjà examiné. Oh, mais... Magnifiquement décoré, il a l'air très précieux. Ouais, je pense qu'il est complet, ce trésor. Je vais quand même essayer un truc. Non. Parce que c'est ça qui est... En plus, qui nous induit une erreur, c'est qu'on peut... Il propose quand même de combiner le parfois l'objet alors qu'il n'y a pas besoin. Oui, donc dans le mode facile, normalement, quand vous arrivez ici, il y a un mec qui vous attend. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote qui était vraiment nécessaire à cet épisode. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors, ensuite... Donc, on va là, on va monter parce qu'il va nous manquer de toute façon quelque chose pour ouvrir la porte ici. Hein. Si je dis pas de bêtises. Allez. Je fais ça hein, vraiment pour... Je l'ai fait tous hein, parce que je me connais. Tout à l'heure, en ressortant de la zone, j'ai réussi à me foutre les pattes dedans. Hein. Ça, c'est quasiment certain. Donc, alors, on va passer par le haut. Hop là. Voilà. Oh, très bien ça. Alors maintenant. Bon, ça fait rien, ils sont... qu'ils soient idiots à ce point-là. Alors, attention, hein, faut... normalement, si je me dis pas de bêtises... Ah bah, il est là. Alors, enfin. Bon, alors, attendez. On va faire un truc simple, hop. Hop là, voilà. Et on va se faire un petit soin. Alors déjà, ça, on va le combiner. Là. Et ça, on va le prendre, voilà. Hop. On va
va rester ici, ici on est pas mal. Allez, tends-toi. Mais... Ah là là. Hop là. On change d'arme. Hop. Voilà, puisqu'on en a, on en profite. Et puis, là, voilà. Voilà, ok. On n'a pas fini, il semblerait. Hein. On a toujours le... On va laisser venir. Hop là. Hop, 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 hop. Alors, on reste là. Oh là 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 là, j'ai fait le con, moi. Je pensais qu'il arriverait plus loin. Et du coup, je me suis pas méfié. Je fais ça parce que, hop. Autant. Voilà. Ça, c'est bien. On a bien géré le truc, ça va. Je me suis laissé un petit peu déborder vers la fin. C'est ma faute, j'ai mal joué. Quand il montait l'échelle, là. Mais là, pour le reste, c'est bien. Hein. C'était... Ok, là, rien. Je viens faire le tour, voir s'il n'y a pas des choses qui... Ah, attendez, peut-être qu'il y a la lampe, là. Peut-être qu'on pourra tirer dedans. Ah, ça, nickel. Les barriques. Parfait. C'est bien. En plus, on récupère de la mune. Hop, celle-là, ouais. Non, ça n'apporte rien. Très bien. Bon, bah, écoutez. Ça, c'est parfait. Du coup, on n'a plus qu'à emprunter cette porte-là. On a la clé avec. La clé de la mine. Ensuite. Au niveau des trésors, je vérifie. On n'est jamais trop prudent. Ok, donc là, on va avoir cette pièce-là avec l'escalier en colimaçon qui nous emmène... Ah oui, d'accord. Ça y est, je me rappelle maintenant. Il me semble, oui. D'accord. Ok, très bien. Ah bah non, c'est pas ce à quoi je pensais. D'accord, ok. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Évidemment. On a ça plus des bestioles. Bah allons-y gaiement, la totale. Alors, là-bas. Allez, on repousse ça. Je crois qu'on peut se les faire. À la... Alors, je crois. Voilà. Ensuite, on prend ça. Et j'en suis rendu où? Il me manque. Ah, il me manque un. Deux même. J'en ai fait que deux. Voilà. Là. Et puis. Ah, il est où le troisième, le dernier? Il est là. Hop. Voilà, ça déjà c'est bon. Ensuite, on va se soigner. Parce que là on est mal en point. Et on reprend une grenade comme ça. Voilà. On va au plus simple. Même si c'est un peu gaspiller les grenades, je pense que j'aurais pu les faire. Ouf, ouais, non. Aux pompes, ça va. J'ai pas tant de munitions que ça finalement. Donc, non, c'est bien. Ça nous file de la TMP en plus, c'est bien. Ok, sinon, est-ce qu'on a quelque chose qui traîne quelque part? Ouvrir, voilà. Eh, hey, yes! Parfait ça. Ok, donc on continue. On descend. Là, petit trésor, ouais. C'est marrant parce que dans le mode facile, donc c'est exactement le même endroit. Et quand on rentre dans cette pièce avec les pics, là, on s'attend justement à ce que ça se passe comme ça, puisqu'on a déjà eu ce piège précédemment dans le château.
Et finalement, non, vous voyez, on l'a que dans le mode normal. Ok. On avance là. Ah, c'est ça, ouais. On a maintenant la mine. Je pensais que... Il n'y a pas une petite sauvegarde par ici? Ah non. Ah, tant pis. Voilà. Ah, très bien, la munition fusil à pompe. Ça, ça va être utile. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Qu'est-ce que je peux prendre là? Ok, donc avant d'emprunter le chariot de la mine. Non, 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 attends, attends. On fait le point. Là, c'est bon, là, on est plein, là. C'est bien. Et puis, ouais, on peut remplir ça, mais... À mon avis... Alors, hop là. Voilà. Là, ici. Ah, ça commence fort. Allez, voilà. Bah attendez, si on va essayer de les avoir comme ça. Hop là. Alors, vous avez compris le principe. Hop là, on passe là. C'est bon. Hop. Allez, on peut pas bondir. Voilà. Voilà. Je vais passer de... Voilà. De chariot en chariot parce que... Bon bah viens là toi, c'est pas grave. Voilà pourquoi le striker c'est important pour moi qu'il soit quand même... qu'il soit... comment dire... assez puissant. On reste au milieu, c'est bien le milieu. Hop là. Allez, tourne-toi. Là. Non, non. Allez, je me suis baissé. Là, j'ai gaspillé mes munes. Mais ils ont pas fait. Hop là. Hop. Allez, mais il a du mal à se tourner, je sais pas. Là, je sais pas pourquoi. On bondit. Allez. Ah, là, j'ai l'impression que... Là, ma manette, voilà. Je sais pas ce qu'elle a, ma manette. Elle peut pas répondre. Je vous jure que c'est pas moi. Elle a. Oh la vache! Ok, là, ça donne quoi? D'accord. Et là, c'est des. Ah non, mais moi, c'est des. Voilà. Ok. Là on va se baffrer de... Voilà. Hop. Voilà, on va là dans le fond, on se tourne. Parfait. Mais pas encore mort. Merde. Oh la vache, quel con. Oh zut. Non, non! Hop là, alors. Allez, bondi, bondi! Allez! Ah, je crois que là on arrive au bout. Normalement on est tranquille. Non? Voilà, c'est ça. Hop là! Allez! Allez, monte, 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 j'ai à fond sur le bouton. Allez, 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 c'est bon. Voilà. Bon. Je le gère mieux que ça, normalement. Hein. Je vous cache pas que... Bon, après, c'est vrai que c'est toujours pareil. C'est le... On est en let's play, je parle en même temps, tout ça, donc ça... Ça aide pas non plus à bien jouer. Alors, ok, la suite. Je suis pas très bien en point, mais enfin, tant pis. Ok, on a récupéré. Ah bah la pierre de sacrifice, parfait.
Donc c'est ce qui va nous permettre, si je dis pas de bêtises, hein, d'ouvrir la porte au lion là. Voilà, allez, on continue. En espérant que en sortant d'ici, le marchand va pouvoir nous vendre un petit spray, je serais pas contre. Voilà, donc vous avez vu où est-ce qu'on se retrouve. Hop là, on est à proximité de la maison. Donc, et bah du coup, vous savez quoi, on va se laisser là. Hein, là, je pense que l'épisode va être bien long. Moi, de mon côté, je sauvegarde. Et puis, dans le prochain épisode, et bah écoutez, on passera cette fameuse porte avec la tête de lion. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.